Ah non, 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 non. Voyez-té. Ah! Botika ba mama mimosa. Botika bango. Botika moi c'est abizi abina na yi. Ah Noëlla. Batika yo. Batika mama Blanche. Batika mama fille. Bango bango ba yebi singa nzamba zo bango. Et va la boutique lo baté. Que son commencement. Nous sommes à la fin de notre séminaire. Et nous savons pourquoi nous célébrons. Ce n'est pas en vain que nous louons Dieu. Dieu nous a délivrés. Dieu a délivré nos familles. Et nous sommes entrés à une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Reprenez vos bras. Que Dieu soit loué. Oui, comme je disais là, nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire d'iniquité de. Ndenge na lobaki tokomi na suka malakisi na biso likindo ya mabe ya baboti. Alors partageons cette pensée. Ndebo eto kabola likanisi. Et nous resterons dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de Deux Rois seulement. Tokotikala na bondimi ya kala na buku ya bakonzi ya bibale. Je sais que vous venez de vous tenir debout longtemps, mais souffrez quand même. Naibi ke boti kotele matamu molayi kasi bondima konyoka mamuke. De vous remettre sur vos pieds. Ya côté le malisusu. Pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. Pour la copée salitang ya liloba na nzambe lokumu. 5. Bakondi ami balé mokapami 20 à 27, ça c'est le premier texte. Litanga liboso banda molonga tukumi balé kino tukumi balé ya nasabu. Chapitre 5, 20 à 25, le premier texte. Ya liboso ezali bakondi ami balé mokapo ya Le deuxième texte, c'est Deux Rois, chapitre 7. Verset 1. On saute. 3 à 4. On saute. 8 à 11. Donc, Deux Rois 7, verset 1. 3 à 4. 8 à 11. Deux Rois chapitre 8. Enfin, Deux Rois chapitre 8. 3 à 4. Bakonyami balé mokapo ya mwambe molonga misa tukina mine. Totangi. Deux Rois 5, 20 à 25. Bakonyami balé mokapo ya mitano molonga tukina mine kino tukina mine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Totangi na kombo na Yesu. Géasi, serviteur d'Élisée. Homme de Dieu. Géasi, mon salut à Élisée, mon tournant Zambé. S'est dit en lui-même.
Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien. En acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je veux courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Merci, prophète Joël. Alors, on peut gagner du temps en faisant seulement la lecture. C'est vraiment une lecture kilométrique et ensuite kangourou. Et Gehazi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit : Tout va-t-il bien ? Il répondit : Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire : Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Naaman dit : Consent à prendre deux talents. Il le pressa et le serra deux talents d'argent dans deux sacs, donnant deux habits de rechange et les fit porter devant Gehazi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Gehazi le prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit : D'où viens-tu, Gehazi ? Il répondit : Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit : Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? De roi 7. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Gehazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. De roi 7, verset 1. De roi 7, 1. Élisée dit : Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. Le 3, il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre : Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syrie. S'il nous laisse vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Le verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. 2 Rois 8, verset 3. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Gehazi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait : Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comme Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gehazi dit au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée avait fait revivre. Amen. Amen. Merci. Merci. Matondi. Ok, bien aimé, toute cette semaine, vraiment, nous avons parlé de l'iniquité de père. Bon, et bien, pour ce moment, Matobeti, il solo, il y a ma bête et outil papa. Allez vite au sujet. Donc, il y a le bango, on a mal à l'écran. Directement entamer le sujet du jour. La ligne, Pelamoko, Nassima, Moutou, Yamate, Alelo. En disant ceci, bien aimé. Allo, Babo, et bien aimé. Que la volonté de Dieu. Mokano et Anzame. Ou si vous voulez. Plan de Dieu. Tosoe balingi miango to mabongisi ya Nzambe. Et d'honorer les hommes. Ezali po apesa lokumu na bato. Dieu dans son plan.
a prévu de nous honorer. Amen, mi abiso bato. Mais Élisée, Géasi, serviteur d'Élisée, est un exemple d'individu qui a subi et vécu les déshonneurs. Géasi, Mosali à Élisée, Azalinda Kisaya Motoyo, Yepena, Abiki Soni. Le thème, je me bats, je ne sais lequel vous donner, mais je vous donne tous les deux. Le thème de ce message, vaincre les déshonneurs, ça c'est le premier thème parce que. Maman Ali Kambo, Nato Bunda, Poesa Mami Balé, Yalimoso, Ezali. Vaincre les déshonneurs. Kolonga, Kozanga Lokumoto, Kolonga Soni. Ou alors, cette fois-ci. Ntope Yambaloui. Donc, j'ai deux thèmes. Nazana Sangi, si maman Ali Balé. Vaincre les déshonneurs. Comment to kolonga soni ou cette fois-ci to yambaloyo bien-aimé Géasi est l'un de ces gens-là qui montre ou qui donne l'exemple d'individus qui ont vécu le déshonneur. Géasi a dali moko ya bato babika na mokili kasi makamwe komela bango ezali pena. Il était destiné à être honorable en Israël. C'était ça le plan de Dieu. Élisée soit honorable en Israël. En tant que successeur d'Élisée. Il avait droit d'office de double onction d'esprit d'Élisée. En plus, il devait être héritier de l'école de prophètes. Mais malheureusement pour lui, il était condamné à subir le déshonneur comme lépreux. Bien-aimé, j'ai déjà parlé de ça, mais aujourd'hui, Je prends un autre angle. Malheureusement, Géasi qui était destiné à être honorable en Israël, par mégarde, il a vécu le déshonneur comme lépreux. Bien-aimé, la cause de tout ça, c'est quoi? La cause de tout ça, c'est quoi? C'est la convoitise. Bien-aimé, à cause de la convoitise, beaucoup de personnes ont ouvert la porte dans leur vie et dans leur famille. La cause, c'est la part du pain. Yes, la part du pain. Pambu yalipa ya kozwa. Bien aimé, nous devons faire attention. Balingami tobongi kosala angele. Cherche à vivre une vie selon tes moyens. Lukaka obika kabomoyo o yango ekokani na bozuna. Ne cherche pas à vivre une vie au-delà de tes moyens. Cela va t'ouvrir la porte à beaucoup de choses. En effet, lorsque le général syrien Naaman fut guéri, de la lèpre donc,
Élisée refusa le cadeau que celui-ci devait lui offrir pour le remercier. Na kobika nae amemi bozuye pa Élisée kasi mosako l'Élisée aboyi koza yango. En revanche, Gehazi convoita un don. Nenge mokonzi nae Élisée se paye dans côté Gehazi ayeko lula yango. En se disant que celui-ci était mérité. Il courut après Naaman au nom d'Élisée. Il lui demanda un talent d'argent et de vêtements. Ce sont des mensonges. Amemi lukuta. Le talent d'argent qu'il a demandé aujourd'hui représente une valeur à peu près de 6 606 dollars. Et quand il a pris tous ces cadeaux-là, il a pris toutes ces histoires sans que Élisée le sache. Il est allé cacher ça chez lui. Et il se présenta devant Élisée main vite. Alla jusqu'à nier de s'être rendu quelque part. Lorsque Élisée lui posa cette question, d'où es-tu venu, Gehazi? En conséquence, parce qu'il a menti, Gehazi fut frappé de la lèpre à cause de son avidité à laquelle il ajoute la tromperie. Nicolas Kolula a bakisi lokuta. Non seulement il s'attira la lèpre, il la transmet aussi à la descendance. Et maladi wana eyekola ta tina bana naye. Ceux qui étaient des innocents sont devenus des victimes. Bango bayeko kwela likambu. À cause du péché de leur père. Des innocents. À cause de la convoitise de leur père. À cause de l'avidité de leur père. La cupidité. À cause du matériel. C'est ça la cause qui a amené la punition non seulement à lui mais à ses enfants bien-aimés. Et encore plus, il perdit le privilège d'être serviteur d'Élisée. Élisée l'a maudit, il a dit, lui et sa descendance, Élisée a dit jusqu'à la fin. On dirait que cette malédiction-là n'avait pas de fin. Désormais, toi et tes descendants, vous serez des lépreux. Et vous savez vous-même que à l'époque, même aujourd'hui, la lèpre est une maladie contagieuse. Quand tu attrapes la lèpre, quand tu t'approches de quelqu'un qui a la lèpre, tu seras contaminé. C'est alors que le lépreux était écarté, isolé. On les a mis à l'écart. Pendant ce temps, il y a eu une crise terrible en Israël.
Israël. Une famine terrible en Israël. Les gens sont devenus des cannibalismes. Ils se mangeaient entre eux. En effet, un jour, Élisée a prophétisé en disant, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine, de blé. Et une mesure d'orge na talo ekolo ya masangu à un cycle eko kita talo ti comme 100 francs à la porte de Samarie kaka na ekote li ya Samarie et là-bas à la porte de Samarie wana sika ne kuta à Samarie parce que ça c'est la cité, ça c'est le lieu où habitait le peuple d'Israël. Ndakisa oyo lokwa lupangu porte de la Samarie, c'est notre portail là. Et les lépreux, eux, étaient dehors. Pour ne pas contaminer les autres. Et quand Élisée a donné cette prophétie, et cette prophétie s'est répandue de bouche à l'oreille. Jusqu'à ce que les quatre lépreux dont la Bible parlait étaient là à la porte de Samarie. Bien aimé, je soupçonne. Amen. Que parmi ces quatre lépreux, Gehazi était là. Gehazi pezalaki wana. Amen. Koba. Parce qu'ils étaient écartés. Et à cette époque, la loi disait, si vous retrouvez un lépreux parmi nous, lapidez-le. Donc le lépreux était écarté, ils étaient frappés d'obstracisme. Et tellement qu'il y avait une grande famine, ces quatre lépreux ont décidé d'aller vers le Syrien. Au risque de leur péril. Et quand ils sont allés, au risque du péril de leur vie, pardon. Et quand ils sont allés, heureusement bien aimé, à leur arrivée à l'entrée du camp de Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur a fait entendre le bruit des chars et des chevaux qui ont fait fuir les Syriens. Et moi je lève ma main pour dire, les prières que nous avons faites toute cette semaine, Dieu a fait entendre le bruit des chars et des chevaux dans le camp de nos ennemis. Et laissez-moi déclarer en disant ceci, les Syriens là que vous voyez, les maladies là que vous voyez, la malédiction là que vous voyez, les célibats là que vous voyez, les avortements là, vous ne les verrez plus jamais. Et quand les lépreux sont arrivés là-bas, ils n'ont vu personne. Ils sont entrés maintenant dans des maisons. Ils ont trouvé à manger sur la table. Bien-aimé, je reviens encore à cette déclaration en disant, tout ce que tes ennemis préparent là, c'est pour toi. Les chantiers de maison là que tu vois maintenant, je prophétise sur toi. C'est pas eux qui vont habiter, mais c'est toi qui habiteras là-bas. C'est toi qui habiteras là-bas.
va chanter. Bah, on va faire la bande à quoi on a des. Cette prière que nous avons fait toute cette semaine. Ce séminaire de l'iniquité de père restera dans votre mémoire. J'attends des résultats incroyables. Dieu vous surprendra bien-aimé. Ils n'ont trouvé personne dans des maisons où ils sont entrés. Mais ils ont trouvé de quoi à manger. Ils ont trouvé des vêtements. De l'or. De l'argent. Et quand ils ont pris ça, ils sont allés cacher. Suivez-moi bien. Ils sont allés cacher. Et ils sont revenus pour prendre encore. Pour aller cacher. Et l'un de dit, je soupçonne c'est toujours Géasi. Parce que la lèpre là qu'il a eu, c'était à cause d'un Syrien Naman. Oh. Il retrouve encore devant le bien des Syriens. Il dit si j'ose encore cacher comme j'ai fait la première fois, la paix ah. De son tombe encore sur moi. Quoi que la Bible n'a pas cité Géasi, mais moi je soupçonne Géasi. Général, il a voulu réparer. Il a dit, nous n'agissons pas bien. Allons dire ça au roi. Il s'est souvenu de ce qui lui est arrivé. Bien aimé, souviens-toi du passé. Les mauvais sorts là que tu avais. À cause de tes erreurs, et ne reviens ou ne répète plus cela. Géasi qui a réfléchi. Ils sont allés dire au roi la vérité. La première fois, il a pris hein, sans avoir dit, hein, il a caché à Élisée. Yaliboso a joui à Bombi à Ebis Élisée. Mais il s'est dit cette fois-ci. Abi ah, Yambalo. Voilà le thème du sujet. Yambalo. Mbalo, ceux qui t'attendent à Bingo sur le téléphone là-bas cette fois-ci. Eh, Yambalo na oyate. Oh. Élisée a dit cette fois-ci. Élisée alors Géasi a dit je dois aller informer le roi. Non mais ma sangue pas mon cause. Que nous avons reçu des choses. T'es d'autres abilok. Et ce qui justifie ni n'importe long ici. Que Élisée était guéri à cause de cet acte. Ni n'importe ce que il était Géasi a dit caca. Dans 2 Rois chapitre 8. Totangi na bakonzi mi balemo ka pamambe. Où la Bible dit Géasi était assis aux côtés du roi. Géasi se retrouvait à côté du roi. Tu retrouveras ta place. Tu retrouveras ta place. Le plan de Dieu que tu sois honoré. Tu vas retrouver ton mariage. Oui. Solo. Bien aimé, moi je dis toujours, quand nous lisons la Bible, nous devons méditer. Bible, au chapitre 5. C'est l'ordre des chapitres chronologiques, non? Au chapitre 5, on l'a maudit. Il a eu la lèpre. Et la lèpre était une maladie incurable. Zokane malade à maba, il a maladie babi qui s'arrête.
Mais au chapitre 8, la Bible dit qu'il s'est retrouvé à côté du roi. Et le roi lui a posé la question, dit, raconte-moi, comment est-ce qu'Élisée faisait des miracles? Si, ne tout le monde, Élisée a annoncé à Bika moi. Je lève ma main pour dire, ces jours de malédiction dans ta vie est tombé. Mon collègue, la kérimabé n'a pas bon quoi. Et cette fois-ci, il n'agit plus comme autrefois. N'avorte plus. Ne suis pas ce que les gens disent. Tala moninga na yo. Est-ce que Il y a l'ongolazem. Yo so soazem. Ah, parce que comparé yonaye. Yonaye boane mota. Yazaye. Yozayo. A l'ongola soye combien? Abotate me a l'ongola. Aboma. Ataya 8e mois l'ongola liyanzitiki. Et comment iniquité? Mais yo bo bo tapo lingak no longo la zemite. Mais par comment na yo na yé différence? Élisée à côté, Géasi à côté du roi. Voilà pourquoi j'ai dit, après avoir réparé, il était guéri. Dans la tira mon azolo baké, si ma yéko bongi sabi kaka. Parce que dans ce chapitre, Géasi était à côté du roi. Et le prêtre est écarté, isolé, ne peut pas vivre avec les gens en bonne santé. Malade, en plus, être à côté du roi. C'est ça qui justifie la guérison de Géasi. Mais la Bible était miouette. La Bible n'a pas parlé de sa guérison. Mais moi je confirme que Géasi était guéri. Qui a dit que les balles ont été couffées aux hommes? Yes. Tu vas rentrer. Yes. Dieu a écouté tes prières. Merci à yo qui parle au sabon. Fiancé wana rozonga. Oh, la canisole va amener quoi? Élisée a retrouvé sa place comme détenteur de l'autorité prophétique du roi. Géasi a été là et si il y a le quoi moto nous a pas calmé là pour qu'il y ait pas le coup mon akatambok. Parce qu'il a compris ce qui lui était arrivé. Pour aller aux amayele, na ma be comme la yele bosu. Il a trouvé bon de réparer. Yeah, moi dit, na ma bena sana na bongisa. Bien aimé. Moringa mi. Cette fois-ci, ya maloyo. C'est toi, c'est pas Dieu. Et là yo, la mette. Dieu a fait son travail. Zamba si a sali mosala na ye. Et c'est à toi maintenant de prendre la décision. Ngala na yo ndeozo mokano. La vie d'un homme commence par une décision. Bomo ya moto e banaka ndena mokano. Cette fois-ci, Yambala oyo ne sera plus comme autrefois. Cet esprit de colportage. Cette vie-là de sortir avec les maris d'autrui ou les femmes d'autrui. Cette vie-là d'impudicité. Dieu a entendu tes prières. Et comme tu as pris la décision de ne plus répéter cela, Dieu est prêt à te restaurer, à te remettre à ta place. Le plan de Dieu n'est pas annulé dans ta vie. La Bible dit la restauration est obligatoire. Restaurer. Mais maintenant toi tu as ta destinée entre tes mains.
C'est à toi de dire oui ou non. Le diable ne nous oblige pas de pécher. Il propose. C'est à toi de dire oui ou non. Et là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, maintenant choisis entre la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, Dieu n'échoue pas. C'est l'homme qui échoue. S'il y a un problème dans ta vie, c'est pas Dieu, c'est toi. Fais une introspection. Examine-toi. Et ta conscience va te dire. Toi qui avais l'habitude de voler l'argent de l'offrande. Yo, comme Gehazi, le roi Gehazi, toi qui vas prophétiser ailleurs au nom de pasteur Matou, yo, comme pasteur, et prendre les offrandes du prophète, moi je ne sais pas. Si ma sakola ma pécheur li bonza mo sakoli olé, oyebi si pasteur, mo kolo li sakolité. Na comme pasteur, olé oyebi si yete. Yo. N'ose plus. Comme qu'à sauter. Quelqu'un venu me voir. Moi, tu peux aller comment là? Parce que j'ai oublié le nom qu'on m'a donné. Il m'a dit, est-ce que dans ton église, tu as déjà un pasteur assistant? Est-ce que dans l'église, d'ailleurs, on a un pasteur assistant? J'ai dit non. Non, il y a un frère. Il y a un frère. Qui va vers un groupe de sœurs. Et il dit qu'il est pasteur assistant à Mimosa. Des visages commencent à défiler. Si vous êtes pasteur, nous mon abilo. J'ai vu Francis. Namoni Francis. J'ai dit non. Lui ne peut pas faire ça. Yé, à quoi ça la maman bon côté. Oh, Joël, t'es. Yo, ça me la prophète, yo. J'ai dit, à son rang. Hein? Non. D'ailleurs, lui, il est déjà un homme de Dieu. Pourquoi aller là-bas en mon nom? Avant qu'elle ait la combo, la gagne. Ah! Attends, la note, note, bon, la boy. Attends, la note, la soutouki. Au nom de Jésus. Moi j'ai dit au frère, appelle la soeur parce que c'est elle qui t'a vu pour ça. Nana ebi sisko mutongo nabi benga nanu de commencer. Parce que bino ba kosa kabino vraiment. Hein? Est-ce que tu es mutongo le bongo? Osa okuluka numéro na ngai te. Oye na bureau. Bureau pa mwana. J'ai dit à la soeur ceci hein. Nabi si ke ebi sa ngoma sibo. De prendre mon numéro. Azo numéro na nga. Et qu'elle fixe rendez-vous encore avec le frère. Le jour, l'heure et l'endroit. Comme ça, je viendrai voir mon assistant. Regardez ce genre de personnes. Il ouvre la porte sans le savoir. Il y aura des malédictions après lui dans sa descendance. Bien aimé, je peux même dire la dîme. Oui, je vous ai dit l'autre fois. Tous les fruits que nous mangeons sont délicieux. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a mis un noyau dedans. Et ce noyau-là n'est pas vraiment comestible. Si tu manges ça, tu peux même tomber malade. Cela veut dire quoi? C'est la dîme. Ce noyau-là, c'est à mettre dans la terre, à semer.
Celui qui ne paye pas sa dîme, il est en train de manger sa destinée. Celui qui a planté cet arbre-là, regarde l'arbre maintenant. Est en train de produire des fruits génération après génération. Sinon, on n'allait pas voir cet arbre. C'est aussi ta vie. C'est aussi ta vie bien-aimée. Élisée a réparé. Élisée a bongi ça. Avant, il a mangé pour lui-même. Hein, mais cette fois-ci, il a dit non, non, non. Il faut que je forme tout le monde. Il bosse avec un gars allé. Il est mort au père Bombi. Il a reconnu sa faute. Il a bongi simbe bana. Il était porteur de la bonne nouvelle. Adagi mon mimi. Comment qui mon mimi a sangu malam? Bien aimé, Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Molingami, ta masali ongolu lelo. Tu as passé. Là, il te fait passer à la deuxième session. Qui est la deuxième moitié de cette année? Toi-même, tu dois choisir. Soit la malédiction. Pona, la kelimabe. Ou la bénédiction. Tolipamoli. Si tu fais la malédiction, la kelimabe. Continue sur cette voie-là. Mais si tu fais la bénédiction, remets de l'or. L'avenir nous donnera raison. Je ne peux pas comprendre, bien-aimé. Vous vous souvenez d'un frère qui a témoigné ici? Il a dit qu'il fait partie de la famille d'un grand pasteur. Et dans sa famille, vraiment, il y avait beaucoup de choses. Il ne va même pas prier chez ce pasteur-là. Il a dit qu'il ne va plus prier parce que les pasteurs sont comme ça, comme ça. Oui, bah, là, nous avons un mobile, il y a tantôt là qui a. Alors, il y a un mobile, pasteur, il y a un nene, il y a un mobile, 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 il y a un pasteur, il y a un mobile. Mais il n'a pas compris, Dieu l'a convaincu de venir ici. Quand il est venu ici, il a commencé à voir des choses. Et il priait pour le voyage de son frère et le voyage est venu miraculeusement. On ne le voyait plus. Mais il est revenu le dimanche passé. Qui l'a vu? Il a dit, je lui ai dit, mes frères, je ne te vois plus. Il a dit, pasteur, nous sommes là. Parce que moi et mon épouse, on parlait souvent de lui. Des fois, on se moquait de lui. On croyait que lui ne connaissait pas la notion de dîme. Parce que tous les cultes, il venait payer sa dîme. Tous les cultes. Alors, les tout premiers jours qu'il était venu, j'ai reçu les enveloppes de la dîme. Il était venu prendre. Chaque fois. Et il m'a dit, pasteur, j'ai vu la main de Dieu. J'étais en mission. Dans mon travail. On m'a envoyé à Pointe-Noire. J'ai travaillé, j'ai fait plus ou moins 6 mois. Et je suis rentré, pasteur. J'ai vu la main de Dieu. Hier soir, il m'a appelé. Pour dire, pasteur, moi aussi, je viens d'acheter un véhicule. Tu vois les résultats. Talambano. Ce frère-là, chaque culte, effectivement, on peut payer sa dîme chaque fois. La dîme, c'est pas le salaire, tout simplement, mais le revenu. Les salaires, y compris ce qu'on te donne en dehors du salaire. Tout ça. Alors, lui, s'il reçoit 100 dollars, il va donner 10 dollars. Mais chacun a sa façon de faire. On peut aussi épargner jusqu'à ce que. Mais attention à la tentation. Attention. Mon épouse le sait.
Un jour, on s'est dit, non, on doit économiser. On doit économiser. Et elle a fait faire une caisse. Ah, sali moi, sukumoko. En fer. Ah, sali moi, sandukumoko libende. Quand nous avons quelque chose, nous mettons dans la caisse. Moi, ton nous mettons. Ton un jour. Mokolomoko. J'avais rien. Nana, on ne pouvait pas manger. Et là, les je dis le nom le côté. Elle a dit, et c'est le côté. Mais qu'est-ce que vous simbattez? L'habité est au simbat. 13h. Qu'au simbaté. 14h. Qu'au simbaté. J'ai entendu dans le ventre. Oui. Oui, bah nous allons là. Lucas, c'était Boka. J'ai pris la caisse. Yo, ma gamme, non, mais pour. Nala, l'anzala. Ça, c'est moi. Wanangai. Alors. Zoka. Je me parle, j'évite d'épargner. Na banga kana bomba kaming. Je paye ma dîme. Na lingi na futa mokana zo. Aussitôt que j'ai quelque chose. Na longo na ngamu. Bala mokana suna zuye longo na futi. Et c'est ce que lui, fidèle. Na mona ki ye azaki pe na sembo. A peine arrivé. Aye ka sika. Mais regardez le résultat. Tala nengi nzamba futi. Dieu ne nous oblige pas. Nzamba senga biso na makasi. Mais Dieu nous propose aussi. Nzambe atali sa biso ka. Choisi. Pona. C'est, si tu attends pour être convaincu. Plus tu attends, plus l'âge avance. Tant que vous là, vous l'avez pour ça. Bien aimé, le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche particulier. Mon ami, allez les amen. Sois responsable de ta destinée. Ça. N'accuse pas les sorciers. Coco c'est la bande qui t'aime. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Bande qui va à la pifomante l'icône là. Souviens-toi de la parabole des livrets et de blé. Kanisa lisese ya masanguna matita zamba. Jésus a dit laissez le blé et livret grandir ensemble. Yes alaba qui tika masanguna matita ya kole sika moko. Parce qu'il savait que livret ne pouvait pas détruire le blé. Pa yeba qui te matita robe bisa masangute. L'ivraie n'avait aucun pouvoir sur le blé. Ma titi est en angouya tel que ma sangou. De même sur les sorciers de ta famille. Même si vous dormez dans un même lit avec lui, il ne pourra rien contre toi. N'abandonne pas la famille, n'a pas la gana et chambre moro à consaler le côté. Même s'il cherche à te décribler, attention à son anika nikayo. Dieu a entendu tes prières. Zambasia yoki balo sambo na yo. Il ne permettra jamais que tu sois criblé. A copé sans zéla te bamba boma yo. Quiconque osera mettre sa main sur toi, Moutounio soko meka kotia li bogone li kolona yo, mettra son doigt sur la prunelle de l'éternel. Ako koti sané di sapine na lui sanzambe. Et il verra là, sa réaction. Mais ako mouna maka mouye kome la e. Dieu compte sur toi. Nzamba zo tiye lo moutema. Dieu compte sur toi. Te, nzamba zo tiye lo moutema. Et moi je le crois que ici à Mimosa, ngana ndimi te a ora Mimosa, tu auras ta délivrance. Oko zabo kango la mina yo. Si tu agis différemment de la première manière, soki o sali na ndenga bo kese di koleka wa li boso, le deuxième agissement amènera la restauration. E zale li na mi balé ko zongi sa yo moutousika. Bien aimé, moi j'ai pris la décision de tout laisser une fois pour toutes. Et voilà aujourd'hui. Je sais le Dieu que moi je sais. Le Dieu d'espérance Mbakad. Il nous donne une seconde chance. À la moitié de cette année. Et ce Dieu-là me dit de te dire. Ce jour-là est tombé. Cette maladie héréditaire est tombée. La pauvreté de la famille est tombée. Le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. Et toi qui me regardes dans les réseaux sociaux. Toi qui es au Canada. Aux États-Unis. En France ou en Belgique. Je te dis ceci. Tu es délivré de son jour. Baron Pesso Mikanda est résident. Yes. Hey.
Il y a un amen. Hier, on était ici au mariage. Lobi to zakawa na milulu ya libala. Avant le mariage, je faisais le service. Liboso na pamola libala no sa mosala. Je priais sur chaque chaise. Na no sambe la kiti moko moko. Et quiconque se mettra sur cette chaise. Na no loba mutu nyoso fana ya kiti. Lui aussi sera contaminé. Ye pe akozwa ilo konaye. Il aura l'onction du mariage. Akoze pa kwa ya libala. Et cette onction là est jusque là en vigueur. Eh pe et pa kwa izana no kote pate pa likola ba kiti. Toi qui es assis sur cette chaise. N'est pas la kiti wana. Toi qui es célibataire. Yo yo ça célibataire. Retiens-le. Sibango. Retiens-le. Sibango. Cette onction là est en train d'agir. Et pa kwa wana iza ko sala. Cette onction là est en train d'agir. Et pa kwa la mione zo sala ba kiti. Il y a l'onction du mariage là où tu es. Pa kwa la mia libala iza bisko fandi. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, ça commence par toi. Soyez libre ba tu ba bala katia yo muto ba la libala. Je vais venir. Libala koya. Quand je faisais cette prière. Il y avait une maman. Yakina maman moko. Elle était d'ailleurs sortie ici. Kuta elle représentait la famille de notre sœur Jetou. Cette maman-là me regardait quand je priais sur les chaises. Maman elle me regardait toujours. Et quand j'ai terminé, je suis allé à mon bureau. Après un temps, elle m'a suivi au bureau. Si ma kotala ngana biro. Elle me dira papa. Ah tu n'as pas tata. Na yo ki prière yo zo sala. Pona bakiti. Na bamboli nzambe na lobi bana na ngai na zui yango. Na vendredi soir 4 kiti ya bana na ngaba ba célibataire. Oh. Na zui ni bango onction wana. Papa na sepeli makasi na prière yo sali. Et après, elle me pose la question. C'est quoi tout Yone ancien matou. Oui. J'ai dit oui, c'est moi. Ah ben oh. La bingaïd. Mais papa, yo so bonde la pour n'engaïd na téléphone. Na sigut na yana ndaku na yo erosaki na kitambo. Yo wana so tale longi na yo. Ye. Hey. Oh ya kalana le lo ngeseni. Oh na oh ya demo mote. Bakolo ba yeto. Yete. Eko sala yo. Eh. Babunga ngala nzela. Quand je vis, je t'ai regardé, j'ai dit non 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 non. La télé la vidéo toi, mais rassurer que c'est toi, j'ai approché une de tes protocoles. Na pousa ni pemela protocole moko. Je lui ai dit. Na tuni. Est-ce que Bino on a passé un matour? Oui. Est-ce que Bino Boye Bimoutango? En tout cas, je ne suis pas là pour mess. Nazana Tepona. Elle lui a dit, oh, yo, Boye Bi Pasteur Wana. Boye Biye. Elle a dit, Nalouba qui on a serré yo, Sephora. Est-ce que Sephora est là? Ah. Nego Sephora, ça. Heureusement. Viens, ma fille. N'est-ce pas que viens? N'est-ce pas qu'elle Yaka mambang, yaka mambang. Elle a dit, est-ce que binobo yebi, n'est-ce pas? A tout n'a gibinot. Discours direct. Elle m'a dit, est-ce que tu connais l'homme qui est là? J'ai dit oui, c'est mon pasteur. Et puis elle m'a dit, il faut qu'Angamana ait au bénéficier na grâce à Zane comme colonne église au tes bénédictions les anas na ma beau connaît. Merci ma fille. Madame, quelqu'un de l'extérieur. Mutu Alibanda. Ah oui, je comprends, nul n'est prophète chez lui. Alors laissez-le de l'extérieur venir prendre l'onction. Hein? Oui, papa. Naza awa nazolo bayango. Hein? Cette église va se transformer. Maman, maman. Église, d'ailleurs, hein, ce vocabulaire-là est petit. Cette église va se métamorphoser. Église, on va se métamorphoser. De la chenille à un papillon. Ah. Un papillon. De la chenille à un papillon. On le voit bien, ce qu'on dit. Papillon.
On va les comparer au tin kwara pa nenge nini. Le binal le ko ko kanake. Ni ya koma esalakate. Je dis c'est vrai. La chenille est restée à un seul endroit dans son concombre. Mais quand il regarde un papillon en train de voler avec sa belle robe, elle l'envie. Elle dit bien. Hein? Voilà, papillon. Mais j'ai dit l'heure de la mer est arrivé. Kebana 2022 oyo. Yo yo yo. Yes. Je vois la malédiction. Je sens la malédiction se briser ici. Na mona la kelima bezo si la. Je sens la malédiction. Bezo si le roi mungu na kata mai. Les jours qu'on a se brisé. Mokuma na zo bukana. On ne va plus programmer ta vie. Ta vie est rentrée dans les plans de Dieu. Vous ne savez pas ce que moi je fais aujourd'hui, c'est ce que j'enviais autrefois. Quand je regardais des gens prêcher, je me disais, mais Mayelo, on va se rendre quoi? Parce que Minzo. Mais aujourd'hui là, Casilelo, ma papou à papillon, la poumoué biscagne sur la ligue. Et Bandia, va inviter dans le Bumbashi. Nazongi. Nazongi. Et Bandi. Bon, c'est avant la fin de cette année. Hein? Naoki maintenant, Oya. Nadie Melaka, Kanasi Bamsio. Y'a un peu de token de toi. Agana sima 4 ans avant Jessica Moko. Mais il est temps. Il est temps. Bobo no mona awa bengisinga. Awa bengisinga. Nake awa, nake awa, nake awa. Na ko ki matin, ata na ke Québec, je rentrerai. Na li pa mona ngoso uta wati. Bon, na diamant isa awa. Na ko songa. Jessica Moko aso na ke, wana na okima. Na paradis. Ah, on a continué là. Ah, on a tapé des stores. Attendez, là. Oh, y a un petit kangai. Oh, daddy habite au zonga, habite daddy au zonga na yo. Ah ouais. Je compte sur toi. Na tielo mutema. Je crois en toi. Na nbimeli peyo. Maintenant, ta destinée est entre tes mains. Nelly, na wiza na babo na. Fais attention sur chaque décision que tu vas prendre. Keba na boka na nyoso yo kozo. Celui-là te dit toquer na hôtel. Wana yo, wana ngayi, ezonge la yo. Et Dieu voit tout. Zamba mona nyos. Partout où tu vas. Esika nyos ozoke. Dieu te voit. Zamba mona. Élisée a dit, mes yeux ne t'ont pas vu. Lui il a regardé à gauche, à droite, oh il n'y a personne. Yatalaki, le bon match, le bon mutomonangate. Je vous ai dit ça un jour, hein. Nasi la bête la mine du soleil, n'ango. J'avais envie d'arroser un jour. Nagi la bossenga la kenesika mo nasuba. Yes. Je suis entré quelque part où il y avait des champs, un endroit un peu isolé. Nakoti nesika mo boe bomani pemela mabilanga. J'ai vu un groupe de gens venir, je me suis dit attends que ces gens là passent. Namoni mo batwazo na mbio, nazi la bangwa leka. Comme ça je vais. Ça, le groupe là vient de passer. Quand j'ai voulu me préparer, j'ai vu encore un autre groupe. Ce groupe est passé. Quand j'ai un autre. J'ai regardé leur visage. Natali Bilongina Bango. Oh Bilongina Bana Mangue Mabandalte. Oh Baebingate. Et quand j'ai voulu seulement faire pipi, j'ai entendu une sœur. Bonjour à Sébatou. À partir de là, j'ai dit même à Hong Kong, non, sous pas sous Dieu te surveille. Fais gaffe. Ce que toi tu fais, Robimana, vision, mon tout.
Vidéo ya keba na caméra. Vidéo ya nzambe zomona yo. Zamba za kan arbitrage caméra. La destinée entre tes mains. Que Dieu te bénisse. Tika nzambe pambola yo. Maboko na ezamuke to meteli nzambe maboko bien. Que pour l'offrande d'aujourd'hui, quelqu'un dise nous n'agissons pas bien. Naligi pour la libonze le lomu tumonga loba ah tout ça malamute. Que quelqu'un dise je n'agis pas bien. Mutumonga loba te na osa la malamute. On dirait que nos mains ont des yeux, nos doigts. Oui mais.